Bonjour à tous, bonjour la team Biquette, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver sur mes chaînes. Merci à vous d'être là, de me suivre et de me soutenir. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur le jeu Legend of Mushroom, jeu sur lequel j'ai déjà fait pas mal de vidéos, donc n'hésitez pas à aller les voir. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur cette vidéo pour vous montrer l'événement. Donc là, il dure 30 jours, 31 jours. L'espace PP aventurier. Alors, le but du jeu. PP triste voyage en fusée et franchit les obstacles les uns après les autres. Il faut toucher l'écran pour permettre à PP triste de grimper dans les airs au bon moment et franchir une certaine distance pour éviter les obstacles. Plus vous franchissez d'obstacles, plus vous obtiendrez de points. Pendant l'événement, atteindre les points quotidiens requis vous permet d'obtenir des récompenses quotidiennes. Ah! Donc, tous les jours, tu as des points quotidiens. Obtenir 10 points. Je pense que tu as plus encore que ça. Je pense que tu as plus que 10 points. On verra un petit peu ce qu'il nous propose. Ouf, ça commence mal déjà. C'est la grenouille qui saute. Points, c'est tout. Faut que 10 points minimum. Oh là là, c'est abusé. Bon, faut franchir au moins 10 obstacles hein, pour avoir le quotidien. Donc, ça, il faut faire tous les jours. A priori, ah putain, chaud. Ok, et voir le classement. Le tout premier, il a franchi 264 au moins. Moi, allez, on va essayer de franchir un peu plus que ça quand même. Ça commence déjà mal. C'est vraiment sensible parce que. Et tu touches un petit peu le verre. Aïe, aïe, aïe. Bon, je suis arrivé au niveau 30. J'avance un petit peu. Ouais, je suis 110. Bon, vous voyez, espace PP aventurier. Donc là, le but du jeu, ben, comme vous voyez, hein, c'est faire du clic dessus. Avancer le plus loin possible en sachant que tous les jours, faut regarder ici, vous avez là c'est 10 points, mais peut-être que demain sera différent. Mais il faut faire au moins le nombre de points qui est marqué là pour avoir les petites récompenses qui sont là et faire ça tous les jours. Vous avez 30 jours pour le faire. Donc vous serez 30 jours fois 200 diamants, c'est pas mal. Après 10 points, c'est facile à faire, on va dire. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu et à cocher la cloche. Ça fait toujours plaisir. Allez, bonne journée à tous et bonne game. Ciao, ciao.